Salut mes histocurieuses et mes histocurieux, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 31. Aujourd'hui, je suis ici à Metz pour vous parler de la fascinante Porte des Allemands. Alors, restez avec moi et nous allons découvrir ce lieu unique chargé d'histoire ensemble. Allez, c'est parti! En 2014, la Porte des Allemands a fait l'objet d'une restauration complète qui a eu pour but de redonner un second souffle à cette architecture magnifique et en réhabilitant également les salles voûtées. La première porte dite des Allemands vit le jour en 1230, à proximité d'un hôpital des chevaliers teutoniques. C'est d'ailleurs pour cela que la porte s'appelle ainsi. Elle s'établissait dans la cité dès 1229, orientée vers le centre-ville. Elle était formée de deux tours rondes réunies jadis par une arcade en ogive, dont seules les amorces subsistant. En 1444, les troupes du roi Charles VII de France et le duc René Ier de Lorraine mirent le siège devant Metz. En vain, le pont de la Porte des Allemands, ayant alors subi de graves dommages, fut immédiatement reconstruit. Le pont enjambant la Seille, demandant à être défendu. Deux nouvelles tours furent alors élevées à partir de 1445. Une inscription gothique, presque illisible sur la tour de droite en sortant, rappelant que l'architecte Henri de Bustorff, seigneur de Rancoval, en fut le maître d'œuvre. En 1473, l'empereur Frédéric III d'Allemagne se rendit à Metz et pénétra dans la cité par la Porte des Allemands, sous les acclamations des habitants. Entre 1480 et 1550, le pont fut doté d'éléments défensifs, complétant ainsi le dispositif. Avec le siège de Metz en 1552, par les troupes de Charles V, la Porte des Allemands subit évidemment des dommages, qui furent dans la foulée réparés, en ajoutant également une herse à la base du pont, pour empêcher toute navigation sous la porte. Entre 1858 et 1862, la porte fut restaurée à la demande de l'Académie de Metz, les parties supérieures retrouvant leur mâchicoulis. Dans les années suivantes, les autorités allemandes firent rehausser les murs. La petite tourelle, accolée sur l'une des deux tours du XIIIe siècle, et les créneaux du côté de la ville, datant de cette restauration. L'architecte allemand Paul Tornow, également responsable des transmissions de l'ensemble cathédral durant l'annexion, restaurant la Porte des Allemands en aménageant ses abords. Le décor néo-gothique, des créneaux, notamment datant de cette époque. En 1900, la ville de Metz se porta acquéreur de la Porte des Allemands, qui fut alors transformée en musée archéologique à partir de 1907 et le resta jusqu'en 1918. En 1944, le pont attenant à la porte fut détruit par les bombardements alliés. La Porte des Allemands se compose de deux tours du XIIIe siècle, bâties côté ville. Deux autres tours à la fin du XVe siècle, élevées côté campagne et les reliant à un pont enjambant la Seille, par une arche unique maintenant brisée, pourvue de deux bretèches sur le front gauche et d'une galerie voûtée sous croisée d'ogives sur le front droit. Les tours circulaires du XIIIe siècle ont été adaptées à l'artillerie avec l'ajout de bouches de feu sur les trois premiers niveaux. Les tours du XVe, couronnées de mâchicoulis et dotées de canonnières, sont beaucoup plus puissantes, car elles devaient notamment résister aux tirs de boulets en métal. Afin de découvrir tous les secrets de la Porte des Allemands, un atelier ludique a été créé
spécialement pour le jeune public. Les enfants se transformeront en petits soldats et partiront sur le chemin des trésors de ce prestigieux édifice. Et pour profiter encore mieux de ce bâtiment historique, à la tombée de la nuit, une partie de la porte des Allemands est mise en lumière. Et voilà qui termine notre exploration du monument de la porte des Allemands. J'espère que vous avez apprécié cette plongée avec moi dans l'histoire de ce monument. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi, je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non loin de chez toi.